Une équipe technique de Canal Plus International est venue palper des réalités qui passent actuellement dans les installations de la radio-télévision Kimbangi Seratelki en sigle avant son lancement officiel sur le bouquet Canal Plus. À la tête de la dite délégation, M. Jean-Baptiste Mbro, responsable technique d'exploitation Afrique Canal Plus International, accompagné de M. Mami, directeur des opérations, ainsi que M. Aziz Kamasi, responsable de télévision numérique terrestre, TNT en sigle. À leur arrivée, ils étaient accueillis avec bienveillance par le directeur technique de la Ratelki, M. Dadi Mavambu, qui fut accompagné de M. Simba Makwikila, conseiller en charge des relations internationales au cabinet des chefs spirituels de l'église Kimbangis. Après ces échanges entre ces deux parties, M. Jean-Baptiste Mbro nous explique les buts de leur visite au micro de la Ratelki, c'est ses propos recueillis par Nduzibaki. Nous venons visiter les installations de Ratelki dans le cadre de la mise à l'antenne sur Canal+, et c'est un plaisir de venir vous rendre visite. Très professionnel, très belle, chaîne de qualité, et on espère bientôt pouvoir en faire bénéficier à l'ensemble de nos abonnés de la diffusion de la chaîne pour toute la communauté sur la plaque africaine. Elle sera opérationnelle dans les jours qui viennent ou dans les heures qui viennent. On est en train de travailler techniquement à la stabilité de la chaîne qui remonte par internet, et dès que le signal est stable et correct pour être diffusé, nous la mettons à l'antenne. Donc on parle en heures ou en jours au maximum, mais on travaille dessus pour la mettre à l'antenne rapidement. Pour le moment, on est encore en train de fine-tuner le signal. Vous savez, c'est des infrastructures techniques assez complexes. Le signal remonte jusqu'en Angleterre, puis après est traité aussi en Europe. Il faut qu'on ait une qualité d'internet qui soit optimale pour que la qualité de diffusion de la chaîne et la satisfaction de l'abonné in fine soit bonne. Et donc on est en train de travailler avec vos équipes techniques aussi et les équipes techniques de nos fournisseurs d'accès internet pour avoir une qualité optimale et pouvoir la diffuser, ne pas créer de frustration en mettant à l'antenne une chaîne qui ne soit pas encore de bonne qualité pour vous et pour votre communauté. Ah oui, bien sûr, nous vous assurons que nous travaillons à la mise, pour préparer la mise à l'antenne et pour mettre à l'antenne très rapidement la chaîne pour l'ensemble de vos téléspectateurs et de la communauté. Kitoko, félicitations Ratelki, félicitations. Nous sommes très contentes.